Ça c'est la classe. Ça te plaît? Ah ouais, grande classe. Tu dis ça par rapport aux couleurs? Ah oui, rouge et noir, moi c'est, tu sais. Ah ouais. On peut fumer? Non. Bon, mais pourquoi tu fumes toi? Non. J'ai fait de poser la question. Oh, tu sais quoi? C'est parfait. De quoi? Ah ben le nouveau concept là, hein. De quoi? Ben moi je suis posé, toi tu conduis. Ah ouais, ben moi tu sais, moi tu m'as dit je suis fatigué, moi je te rends service mon pote. Ouais. Eh ben je pense qu'on va faire ça plus souvent. Alors mais attends, si on fait ça plus souvent par contre, déjà tu m'appelles Hubert et on change le titre de l'émission parce que pas non plus exagéré. Hein. Hubert? Ben oui Hubert. Et quoi, enfin on mettrait quoi du coup en titre hein? Attends, je sais pas, c'est toi le créatif ici, moi tu m'as invité, je suis là pour me détendre. Bah, tu sais, faudrait mettre un truc qui nous ressemble. Et c'est quoi qui nous ressemble? Bon, regarde, on a des barbes, on a des casquettes. Chut! N'en dis pas plus. J'ai le concept qui tue. C'est quoi? Barbe et casquette, de la barbe, des casquettes, et y a même des lunettes, barbe et casquette. Bon alors, Ross, cette Comic-Con? Ah bon, la Comic-Con. Tu veux savoir ce qui m'a le plus excité, moi? Ah, vas-y, dis-moi là. C'est la bande-annonce, 40 secondes, happy. Oh. Un petit mec, un détective foireux qui n'est plus détective, un véreux, avec son ami imaginaire, la licorne bleue, voilà, et qui va lui annoncer quelque chose, et ça part en périple, quoi. Et sinon, là, sur des trucs un petit peu mainstream, Thor Ragnarok. Thor. Les décors à la Jack Kirby, avec cette espèce d'aspect un petit peu visuel très, très coloré, très, très délirant. La musique qui m'a pris complètement en contre-pied. On a l'air de passer un peu sur le registre de l'humour. Étant donné que maintenant l'épicness, tu l'auras quasiment que quand tu verras du Infinity Wars ou de la Justice League. Je trouve que le parti pris qui est dans les Gardiens de la Galaxie, ben, pour moi c'est un peu le truc à adopter maintenant. Ouais. Et je trouve qu'ils ont vu les films Thor qu'il y a eu, ben, ils ont raison un petit peu de changer de registre. Thor, il a toujours été plus ou moins le rigolo de service. Hein. Alors au niveau de la Justice League, tu as remarqué qu'il y a toujours le petit coup de pied. Ras du sol, ras du cul de Wonder Woman. Et du coup, ça dévoile légèrement, subtilement son fessier. Et ah ça, ouais, ce plan, ils vont nous le foutre dans chaque trailer parce que ça doit exciter une frange amazonophile. Et t'as remarqué alors, la différence de couleur entre les deux trailers? Moi, on m'en a beaucoup fait remarquer. Pour le passage à Josh Whedon? Ouais, que Whedon, il avait déjà ravivé les couleurs, que c'était déjà plus du tout ce que ça avait à voir. Alors, je sais pas. Pas du tout. C'est un petit peu comme tous ces cons, ouais, ces cons, mais très bien entendu, qui t'ont sorti que, tu vois, l'épisode, le réveil de la force, on sentait quand même la touche Disney. Mais genre quoi, ils sont bien chantés les mecs dans le réveil de la force. Sur les captures d'écran, en tout cas, moi, il y a des abonnés qui m'ont montré que bon, c'était le cas. On verra. Ouais. Parce que moi, je le voyais pas, parce que je suis pas un spécialiste du cinéma. C'est pour ça qu'il en ouais, mais pourquoi Kevin, 14 ans, là, qui t'a lâché le com sur YouTube, c'est un spécialiste du cinéma. Ah, je veux que tu le respectes, tes abonnés, mais bon. Il est vilain. Dis-moi un peu ce que tu penses de l'affiche de la Justice moi, je League. Je l'aime beaucoup. Tu l'aimes pas? Je l'aime pas. Tu veux que je te tire un frein à main sur le dos? Ah ouais, vas-y, mais là, je suis prêt à mourir. Je suis prêt à mourir pour mes convictions. Non seulement parce que moi, j'aime bien le travail d'Alex Ross, cette espèce de clair-obscur avec comme un petit peu une ambiance peinture. Tu peux pas justifier un travail en disant il s'est inspiré de. Parce que moi, demain, je vais prendre une feuille, je vais dessiner en cubique, je te dirai, oh, regarde, il s'est inspiré de Picasso, je vais te faire un truc dégueulasse. Mec, alors dis-moi un peu, Stranger Things. J'ai pas vu la saison 1. J'ai pas vu la bande-annonce du coup. Stranger Things, il y a eu une hype mais alors de fou sur la saison 1. Ouais. À juste titre, c'était vraiment très très bon, c'était frais, c'était un scénario original, c'est des trucs qui étaient référencés, mais voilà, tu découvres de nouveaux persos, un nouvel univers, voilà, en plus influence années 80 et tout. Cette licence inconnue il y a maintenant un an, eh ben, tu vois, elle s'élève au même niveau de hype là que la Justice League, que les licences Marvel et tout. Est-ce que c'est pas ça qui va venir peut-être la flinguer, cette licence? Tout dépend de la vision en fait, ça dépend de qui tient à bord en fait. C'est comme Breaking Bad, regarde Breaking Bad. Au plus, le mec il disait, au plus on se rapprochait, au plus je voyais les audiences qui grimpaient, au plus je me disais, faut qu'on termine, faut qu'on arrête. À chaque saison, il disait, faut qu'on arrête. Moi je pense que vraiment c'est les attentes qui te flinguent les gros trucs quoi. Quand tu commences à dire, à parler des trucs, vaut mieux pas parler, c'est surprendre. La semaine dernière, il y a une nouvelle un petit peu qui a secoué la sphère audiovisuelle française. Philippe Lachaud, donc le réalisateur-acteur de Babysitting, a acquis les droits de
City Hunter. Pour les dorothéistes, pardon, excusez-moi, c'est Nicky Larson. Nous allons avoir un réalisateur et auteur français va traiter un manga. Il doit être fan, on est d'accord. Il a publié la nouvelle sur son compte Instagram. Il a dit rêve de gosse qui se réalise, j'ai Nicky Larson. Il a marqué j'ai vraiment hâte de donner vie à ce célèbre détective. Je connais pas du tout, hein. C'est un détective ou pas? Et non. Alors de suite, il y a eu levée de bouclier, ah, et ça va être fait par des incompétents, et gna gna gna. Oh, je fais partie de ces gens, il n'y a pas de problème. J'ai tempéré parce que les Américains sont pas bons pour traiter du manga. Les Japonais sont pas bons pour traiter du manga. Il y a très rarement des bons films live tirés de manga. Hein. C'est genre par exemple Death Note. Tout le monde qui est en train de chier là sur ce qui va sortir sur Netflix dans deux semaines, mais il est pas bon, hein, le film japonais. Hein. Il est pas bon non plus, hein, traité par eux, par les auteurs. Donc City Hunter, on fera pas pire que les autres. Et c'est là en fait où toi tu te poses la question, est-ce que tu ferais confiance à Johan Sfar? Allez voilà, Johan Sfar, je prends volontairement un auteur français de l'imaginaire là, qui reprendra en main genre Batman. Je veux pas dire le Punisher parce que là j'aurai aucune réponse objective de non, ta part. Non, non, moi j'ai aucun problème avec les revisites. Après ouais, moi je fais confiance à n'importe qui comprend le personnage. A priori il va pas passer des années à travailler sur un projet qui ne lui plaît pas, pour lequel il n'a aucune vision. Une fois que tu comprends le personnage, tu peux faire des films à petit budget. Bon, le budget n'a rien à voir avec le truc. Il faut surtout que le personnage soit compris, que l'histoire soit bonne. Ah, évidemment, si tu utilises pour plus de budget et si en plus tu réunis toutes les conditions que j'ai énumérées avant, c'est encore mieux. Mais des fois, c'est pas évident. Alors, on assiste à la renaissance tel le phénix de la saga audio en France. Eh bien, figure-toi que nous retrouvons notre ami Cyprien. On peut parler de mode, hein, parce que il y a le youtubeur Antoine Daniel qui a également teasé un projet similaire. Si les gros youtubeurs se tournent un petit peu vers ce format, je pense que c'est un truc qu'on va voir se démocratiser. Ah ouais. Si jamais quelqu'un qui regarde et qui a besoin d'un doubleur, je suis chaud. Ah ouais, moi le doubleur, c'est génial. Hein. Toujours... C'est surtout que c'est difficile parce qu'on est à l'ère, tu sais, de l'image, de la vidéo. Maintenant, pour les faire rêver les gens avec juste une voix, c'est compliqué. C'est ce que je reproche un petit peu, moi, c'est qu'à aucun moment dans sa com, Cyprien, il a rendu hommage à ceux qui l'ont vulgarisé, ça, en France. Faut savoir quand même qu'avant Cyprien, il y a John Lang, avant Cyprien, il y a JBX. Enfin, excusez-moi, quoi. Et en plus, quand je dis avant, c'est 20 ans avant. Voleur. Voilà, donc tu pourrais un petit peu les citer, histoire de booster un petit peu leurs chiffres à eux, quoi. Hein, tu vois, genre, Antoine Daniel a eu cette petite délicatesse. Il faut savoir que je rends souvent des hommages dans cette émission. Mais j'ai jamais été touché directement. Mais c'était jamais des personnes pour lesquelles j'étais fan. Là, j'ai été touché dans ma chair directement. Un peu tous les ados des années 90, 85. Voilà. Je tenais à rendre un petit hommage dans cette vidéo à Chester Bennington, chanteur du groupe Linkin Park, décédé brutalement la semaine dernière, à l'âge de 41 ans. C'était pas grave pour les derniers albums, on t'en voulait pas, mec. Chester, où que tu sois, rest in motherfucking peace. Yeah.